un stresseur de voyage. Donc, c'est vraiment ce programme pluridisciplinaire, collectif, dans un groupe de 10-12 participants où vous allez expérimenter du qigong, de la méditation, de l'hypnose pour travailler sur les croyances, de la biodanza, des énéagrammes, des constellations familiales. Bref, expérimenter toute une série d'outils thérapeutiques pour vous accompagner dans ce gros programme qui est prévenir le burn-out et en sortir surtout de façon pérenne, durablement, c'est ce qu'on souhaite. Et donc ce programme, on l'a conçu avec 6 autres praticiens et le premier a commencé en février 2017. Le 9e groupe commencera ici cet automne, en 2020. Il aura lieu aux Fraternités du Bon Pasteur. Et les dates sont le 17 octobre, le 14 novembre, le 5 décembre et le 9 janvier. Bonjour Sarah, Bonjour. bonjour Christophe. Bonjour Anne. Un tout au grand merci de participer, d'accepter de témoigner de votre participation à notre super programme de stress out voyage. J'apprivoise mon stress en 8 étapes. Sarah, toi, tu as été chef d'entreprise hein, et là, tu as été en arrêt. Et Christophe, directeur financier dans une structure internationale. Donc, des Ça postes tous les deux avec des responsabilités importantes. Est-ce que vous pourriez peut-être déjà juste dire, peut-être par un mot ou une petite phrase, le stress out voyage, pour moi, ça a représenté... Tac, tac, tac. Alors, pour moi, le stress voyage, ça a représenté une transition. C'est-à-dire que j'avais terminé donc mon activité d'indépendante pour, bon, pas positivement, c'est-à-dire avec énormément de stress, avec énormément de culpabilité, et que j'avais deux possibilités, soit me ronger, m'angoisser, rester toute seule sans solution, soit Oui. décider de faire le pas et d'aller directement vers l'avant. Je dirais heureusement, dans la période où on ne va pas super bien, ben on est entouré de gens. Et je dirais que c'est ces gens qui m'ont poussé vers l'idée d'intégrer l'équipe du Stress Out Voyage, c'est-à-dire D'accord. essayer de comprendre la façon dont je fonctionne. Et voilà, donc ça, c'était D'accord. mon intention, c'était vraiment la transition Une parfaite. transition. Voilà, une transition, D'accord. exactement. On va aller un peu plus en détail juste OK, après. très bien. Et pour Christophe? Moi, je dirais plutôt que c'est une prise de conscience. Donc, voilà, j'étais très vite orienté vers le stress à haute voyage via le Chirec. Et je pense que c'était très utile pour vraiment mettre un nom et mettre les symptômes et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cette maladie. Et pour progresser, je pense que c'était vraiment important. D'accord, génial, merci beaucoup. Mais donc, par rapport à qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce programme du stress out voyage, peut-être ajouter quelque chose, tu as déjà dit pas mal de choses, Sarah. Non, c'était vraiment ajouter ça, c'est-à-dire quand j'ai vu le programme, je me suis dit bah, ça me convient assez bien parce qu'il y a des parties rationnelles où on va essayer de comprendre mes mécanismes de fonctionnement, comprendre un petit peu pourquoi j'ai certaines barrières et ma façon de fonctionner. Et à côté de ça, je trouvais que le côté sympathique et ludique était aussi les ateliers qui nous permettaient justement de contrôler son stress, de se lâcher. On insiste beaucoup sur le lâcher prise, sur Avec la. la biodanza, par exemple, c'est Exactement, ça? avec la biodanza, Ouais. etc. Et se rendre compte qu'on peut adhérer à ce genre de choses, même si au départ, on est un petit peu réticent, en fait. Donc, la diversité du programme, en fait, c'est peut-être là que je trouvais l'intérêt. Et puis le fait, je ne sais plus si on l'a précisé, mais le Oui. fait qu'en fait, on est six Oui. intervenants différents, et donc forcément très... Voilà, avec nos personnalités, no notre énergie, notre façon de fonctionner et de transmettre, quoi, qui fait aussi vraiment Exactement. la spécificité de notre programme. Oui. Oui, c'est très dynamique et très. Voilà, on a vraiment une vue de plusieurs disciplines qui au préalable, bon, si on était de notre côté, je pense, on n'aurait jamais connu et on n'aurait jamais appréhendé. Là, ça nous permet de voir un peu quelle discipline nous convient plus et peut-être par la suite, donc, l'approfondir. Mais c'est vraiment Oui, ouais, exactement. ouais, Cette expérience. merci. Alors,
Est-ce que vous aviez peur en fait de l'intégrer? Et quel effet a généré le groupe sur vous? Un peu peur de l'intégrer, oui, parce que bon, voilà, j'étais dans une phase où déjà prendre conscience que j'étais en burn-out, c'était compliqué pour moi. Ensuite, le partager vis-à-vis des inconnus, bon, c'était encore plus compliqué, mais je pense que le groupe était très homogène et le fait qu'on ait tous des expériences différentes, mais qu'on vienne dans le même but, était très enrichissant et très vite, on a partagé des choses, je veux dire, très intimes, des sentiments très profonds et vraiment le sentiment de sécurité, de bienveillance est apparu très vite dans le groupe et vraiment grâce aux interlocuteurs, aux professeurs qui étaient là et aux activités. Pour moi, c'est vraiment la biodanza qui m'a délivré et je pense qui a ouvert vraiment le groupe à beaucoup plus d'intimité, je dirais, Alors, dans l'expression de nos je vais quand même sentiments. me permettre de ne pas parler de professeur, hein, parce que on est soit D'accord. praticien, facilitateur, thérapeute, mais en tout cas, c'est important pour que les gens, enfin les auditeurs comprennent bien qu'on n'est pas du tout dans une formation, mais vraiment Tout à dans fait. une expérimentation, dans du vraiment de vivre les choses pleinement et pas quelque chose d'académique. Enfin, en tout cas, Tout à fait. c'est pas du tout le souhait, quoi. D'accord. Et pour toi, Sarah? Pour Quelle moi, peur est-ce que ça... ouais, c'est un petit peu la même chose. Je dirais que le fait de l'intégrer, je savais que c'était nécessaire parce que voilà, je coulais, hein, je coulais, j'étais Oui. vraiment pas bien, je me sentais pas bien. Et donc, je savais que c'était une démarche nécessaire pour essayer de me reconstruire ou essayer de me comprendre, en fait. Donc, Oui, ça, oui. j'espère que de toute façon, quelque part, je savais, donc j'étais motivée à l'idée d'y aller. Maintenant, un petit peu comme Christophe, j'avais des appréhensions par rapport au groupe qu'on allait rencontrer. Je me suis beaucoup demandé si les gens qui allaient participer à ce voyage allaient me correspondre, avaient vécu un petit peu ce que j'avais vécu, pourquoi ils étaient là, etc. Donc, je me demandais un petit peu si j'allais me retrouver parmi les gens. Et je dirais aussi, de nouveau, un petit peu comme Christophe, j'ai été épatée, et vraiment, c'est vraiment ce mot-là que je voudrais utiliser, par l'équipe. En fait, le groupe a vraiment eu un effet chez moi bénéfique, parce que j'ai retrouvé des gens extraordinaires, en fait, et que j'ai arrêté de considérer qu'on était que des gens à problème et qu'en gros j'ai trouvé des très belles personnes et j'ai directement trouvé ma place dans cette équipe, c'est-à-dire que je me suis sentie écoutée, non jugée, et ça c'était super important. Donc le fait de pouvoir exprimer sans avoir l'impression d'être jugée ou d'avoir des commentaires, et j'ai vraiment eu un très bon contact avec ce groupe et que j'étais très contente de le retrouver. Donc à chaque atelier, j'étais vraiment contente de revoir les gens, ça m'a fait beaucoup de bien dans cette période précise. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que ça a répondu à vos attentes? Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce programme? Christophe, peut-être? Oui, ça a répondu en grande partie à mes attentes, oui. Donc, c'était découvrir des nouvelles disciplines qui me permettaient de mieux me connaître. Donc voilà, on a plus d'affinité avec l'une ou l'autre discipline. Après, à nous de les approfondir, mais vraiment ce séminaire nous permet de prendre contact avec plusieurs choses tout à fait différentes, mais qui nous permet de mieux nous connaître. Et je pense que c'est vraiment le point principal, c'est une meilleure connaissance de soi-même, meilleure connaissance de nos limites, de nos sentiments et des choses qui sont importantes pour nous dans la vie, et vraiment nous recentrer sur nous-mêmes et un peu oublier tout ce qui se passe autour. Je pense que c'est vraiment ce que je retiendrai de ce séminaire. Et quel atelier t'a particulièrement fait avancer sur ce chemin? Moi, la biodanza m'a vraiment très fort libéré, mais aussi le tai chi. Le tai chi, je pense que l'ancrage était très Qigong, ouais. important. Et donc, Oui. voilà, ces deux ateliers-là sont principaux, mais maintenant aussi la boussole qu'on a fait vers la fin L'hypnose, était très important aussi. oui, d'accord. Merci. Et Sarah? Ben, moi, c'est un petit peu pareil. En fait, je dirais que pendant 15 ans de ma vie, je ne me suis posé aucune question dans la manière dont je fonctionnais. C'est-à-dire que je fonctionnais comme un robot. Je me levais le matin, je faisais ce qu'on me demandait, et même ce qu'on ne me demandait pas. J'essayais de tenir la tête hors de l'eau et d'assumer mes journées au mieux.
Et je me suis rendu compte, en fait, lors de ces ateliers, que ce qui me manquait, c'est qu'au final, je m'étais complètement oubliée, moi. C'est-à-dire, que ressent mon corps, que ressent ma tête, pourquoi il y a des choses que je n'arrive pas à faire, donc quelles sont les choses qui bloquent chez moi, etc. Et il y a eu aussi un énorme travail, effectivement, de lâcher prise, c'est-à-dire arriver à arrêter de se contenir et d'avoir tout le temps une carapace et essayer de libérer ses émotions, essayer de pouvoir montrer ce qu'on ressent, essayer d'avoir des ficelles pour arriver à se détendre, pour arriver à lâcher prise, pour arriver à se reconnecter. Et je dirais que ça, c'était quelque chose pour moi. Ce n'était pas quelque chose d'un petit peu expérimenté, ça ne l'était pas du tout. Donc, je partais d'un point zéro et ça m'a fait énormément de bien d'avoir cette possibilité d'ouverture, en fait. Non, je dis que ce soit par les ateliers MOVE, effectivement, et la biodanza, que ce soit aussi les ateliers un petit peu plus rationnels, c'est-à-dire une prise de conscience de ces mécanismes, ces mécanismes de défense, de ces croyances et toutes les ficelles qui nous ont été données en fait, pour arriver à aller plus loin que ça ont été très bénéfiques pour moi. Mm-hmm. Et je veux dire, elles le sont encore. Clairement, ça m'apaise dans mon quotidien et ça m'a un petit peu recentrée vers des choses nécessaires pour moi que j'avais complètement mis de côté, en fait. Ben, donc, du coup, tu réponds à ma question suivante. Ouais. C'est qu'est-ce que ça vous a apporté particulièrement et en effet, dans ta vie de tous les jours, tu continues à prolonger cette expérience des ateliers. C'est évidemment notre objectif avec les autres praticiens. Hein. C'est justement bien ça, le souhait, c'est que ça puisse vraiment s'intégrer dans votre vie de tous les jours et qu'il y ait une transformation, quoi. Oui, et c'est des petites choses. Ça peut passer par « Ah, j'ai un entretien d'embauche, ben, je suis terriblement stressée, je sens les palpitations monter, ben, je vais prendre 5 minutes pour moi, je vais essayer de recoordonner ma respiration. » Ça peut passer par « Je vais mettre un petit peu de musique, essayer de me détendre, écouter un texte en méditation ou se plonger dans sa bulle. » Donc, je veux dire, c'est des petites choses, mais qui, à l'époque, pour moi, étaient totalement inconnues. Donc voilà, je crois que dans la vie de maintenant, ça m'apporte vraiment beaucoup. Et aussi le fait d'avoir recentré mes priorités et d'avoir compris qu'en fait, la base, c'était ma famille, c'était le fait d'aller bien et que le reste devait se construire autour et que ce n'était pas une démarche inverse qui était nécessaire. Génial. Et toi, Christophe, avec quoi est-ce que tu repars finalement? Mais voilà, donc des outils, je dirais, qui nous permettent vraiment, comme l'a expliqué Sarah, donc pour l'instant, moi, j'ai pas encore repris la vie professionnelle, mais déjà dans la vie de tous les jours, voilà, se créer cette petite bulle pour s'oxygéner. Voilà, il y a les enfants, il y a la vie. Enfin, je veux dire, ça, il y a eu le confinement, donc c'était une période assez difficile en plus de tout le reste. Et donc, voilà, faire un peu de méditation, un peu de yoga. Arriver à trouver des moments pour soi et les garder, parce que c'est bien, voilà, comme tu disais, faire les ateliers, c'est très bien, mais il faut garder ça par la suite. Oui. Et je pense que c'est un travail au départ assez difficile, parce que voilà, on se néglige pendant des années, on n'a plus l'habitude de s'occuper de soi, et là, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre, je veux dire. Et donc, l'important, c'est de le garder, et même le garder une fois qu'on retravaille. Ouais, mais du coup, on arrive peut-être à peut-être une de mes dernières questions, c'est finalement comment vous voyez votre avenir professionnel après cette période de fragilité, d'une forme de vulnérabilité à un certain moment, hein, quand on traverse un burn-out. Comment vous voyez la suite de votre carrière? Vas-y. Disons que moi je vais reprendre là donc, la semaine prochaine en mi-temps. D'accord. Donc, je dois dire, j'ai une très bonne compréhension de mon employeur durant tous ces mois. Bon, ça fait presque un an que je suis écarté pour raison de burn-out. Et donc on a gardé un dialogue et donc là je vais reprendre à mi-temps médical avec une adaptation de mes tâches en fonctionnant plus par projet et petit à petit peut-être rajouter, mais je veux dire, on va vraiment le faire crescendo. Je dois apprendre moi à mettre mes limites, à m'écouter, à faire part à mon employeur et à mes collègues de mes difficultés avant que ce soit trop tard.
Et je pense que tous ces ateliers m'ont permis aussi de Les prises pouvoir de mettre conscience. les prises de conscience et de mettre ces garde-fous. Ouais. Maintenant, on va voir dans la pratique si ça fonctionne Oui. réellement. Mais je pense que voilà, je me suis adapté à la société pendant, ça fait presque 20 ans que je travaille là. Maintenant, je pense que c'est un peu à la compagnie à s'adapter à moi. Oui. Et faire en sorte que je retourne dans les meilleures conditions. Maintenant, c'est vrai que c'est une appréhension. Voilà, le regard des collègues, voilà, qu'on vous regarde pas comme un malade qui sait plus rien faire. Je veux dire, Oui. j'aime mon travail et voilà, j'ai regardé pour peut-être faire autre chose, mais je pense que je suis fait pour ça. Et donc, j'y retourne en étant motivé. Maintenant, il y a une appréhension qui est là après une si longue absence qui est Mais donc, inévitable. est-ce que tu peux peut-être nous partager, Christophe, justement, il y a donc eu un entretien de pré-reprise, vous vous êtes vu, vous vous êtes téléphoné, comment ça s'est passé pour Donc, toi? j'ai fait une vidéoconférence avec mon directeur général, donc qui est situé à l'étranger. Oui. C'est lui qui est mon L plus 1, je dirais. Et donc, Oui. on a vraiment décidé de travailler par projet. Je lui ai demandé si un retour à mi-temps était envisageable en fonction. Bon, c'est quand même une fonction assez importante avec beaucoup de Oui. responsabilités. Bon, pour l'instant, mon travail était réparti sur 4-5 personnes. Et donc là, c'est reprendre petit à petit le travail. Mais donc, on a vraiment mis les priorités. Il y a certains projets qui ont été abandonnés parce qu'ils m'étaient dédicacés. Donc, c'est ceux-là que je vais reprendre en priorité. Ceux qui OK. sont traités par des collègues, ben, ce sera peut-être par la suite quand je reviendrai à 100%, que je me sentirai prêt. Et donc par la suite, j'ai eu des entretiens avec les ressources humaines également. Donc, et j'ai fait la démarche d'aller à la médecine du travail également, donc, qui m'a Oui. jugé apte à reprendre à mi-temps. Et toi, Sarah, comment est-ce que tu vois ton avenir? Alors, c'est évidemment différent, Oui. parce que quand on est indépendant, et je sais aussi de quoi je parle, mais quand on est indépendant et que on doit arrêter voilà, cette société ou cette structure, ben, c'est des questions qui sont aussi. Ouais. Donc, il faut repartir vraiment de C'est ce ça. qui des tripes de ce qu'elles disent, de ce que et que Exactement, en l'envie fait. soit aussi soit présente, hein. Ouais, il faut que l'envie soit là. Donc, en fait, moi, j'ai arrêté en janvier. Ouais. Il m'a fallu ce temps, donc on parle de 9 mois. Il m'a clairement Ouais. fallu ce temps pour déjà digérer, arrêter que ce sentiment de culpabilité de finalement avoir, entre guillemets, raté 15 ans de sa vie. C'est-à-dire que c'est assez brusque comme décision, une faillite. Bon, c'est vraiment pas évident. Tout va très vite. On n'a pas le temps de réfléchir, à se poser. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment eu très dur à rebondir en janvier. Donc, il m'a fallu, je pense, les quelques mois bêtement de digestion et qui ont été très bénéfiques pour moi avec l'atelier Stressote. Bon, j'ai aussi fait des formations. J'ai essayé de me rassurer sur mes acquis parce que pour moi, en fait, je repars vraiment 15 ans en avant. Donc, c'est comme si je me retrouvais à 25 ans avec mon diplôme de relations publiques en main et qu'on me disait, quelle est ton expérience? Et que moi, je dis, ben, mon expérience, c'est d'avoir été sur place et d'avoir sauté dans plein de choses pendant 15 ans, mais sur papier, c'est très compliqué à notifier. Donc, la Oui. difficulté est là. Mais je dirais Oui. que, bon, j'ai commencé à reprendre des entretiens d'embauche. Je ne me vois pas retravailler immédiatement en tant qu'indépendante, même si ça me titille, hein. Je suis toujours en train de me dire, essayer d'aller vers un projet personnel, mais je Oui, vais me parce que tendre. Voilà, c'est très différent quand même, hein, Ouais, donc le statut ça. d'indépendant et le statut Exactement. salarié, Mais j'ai donc, connu les deux, c'est très différent. c'est différent et je l'ai encore dans mes tripes et je sais très bien que si un jour j'avais une opportunité de me relancer dans une micro-société ou quoi, je crois que je le ferais. Mais en Ouais. attendant, je dirais que là, pour l'heure, je suis en train de repostuler, d'aller voir différents employeurs. Rien que le fait de me mettre dedans, ça me fait du bien. C'est-à-dire que j'y vais OK. beaucoup plus sereine. Je sais Ouais. exactement ce que je veux, ce que je ne veux plus, les limites à fixer. Et je vais prendre le temps de bien réfléchir à tout ça avant de prendre une décision. Mais en tout cas, je me sens prête dans la démarche, alors qu'il y a quelques mois, je ne l'étais absolument pas. Donc, Ouais, ça me fait moins d'accord. peur, disons. Voilà, j'y vais plus sereinement qu'il y a quelques mois. OK. Voilà. Alors, si je devais peut-être vous demander, vous vous imaginez avant le stressade voyage, vous vous imaginez dans ce questionnement, dans une espèce de, voilà, dans cette période qui est quand même
délicate, où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers qui vous tourner. Et donc, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que moi, j'aurais voulu entendre d'un participant précédent pour me décider à le faire, à participer, à m'inscrire au stress AVH, ou pas, d'ailleurs, puisque ce n'est pas fait pour tout le monde, mais voilà. Mais qu'est-ce que, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais, réfléchis pas trop et fonce. Il ne faut ressortir qu'avec du positif, en fait. Je pense que pour arriver à faire la démarche, il ne faut pas trop penser. Au plus on pense, au plus ses angoisses remontent, au plus on se replie sur soi. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que dans une période où on ne va pas bien, il faut arriver soi-même ou à l'aide de proches, de se rendre compte de la situation et de se dire, ce pas vaut la peine parce que je vais en sortir avec des expériences et ça va me faire du bien. Donc, je pense vraiment, pour ma part, c'est vraiment, allez, Sarah, bloque un peu ta tête et pense un peu à ton cœur. Tu sais que ça te fera du bien, vas-y, quoi. Réfléchis pas trop et vas-y. Voilà. C'est génial ce que tu dis là, Sarah. Oui. Ça me touche beaucoup parce que c'est tellement ce que j'essaie de vous faire vivre pendant tout le voyage. C'est passer du mental au ressenti, ouvrir son cœur. Ouais. Et accueillir tout ce qui est là. Et même si c'est une période qui est délicate, parce que moi, je suis passée par là en 2012, même si c'est une période délicate, c'est tellement ça. C'est arrêter avec nos jugements, nos conditionnements, nos croyances et descendre et vivre, et c'est vivre tellement ce qui est là. Quoi. Et je dirais que le fait d'avoir rencontré des gens d'univers tout à fait particuliers qui vivent des choses complètement différentes nous raccroche à l'idée que c'est accessible pour tout le monde. Voilà, on a vu des burn-out de femmes qui s'en sortaient peut-être plus difficilement avec les enfants. Il y a des burn-out professionnels, il y a des épuisements généraux. Et je pense que voilà, il y a aucun jugement. On est là pour se faire du bien. J'en ressors vraiment avec des amitiés profondes. Hein, je dirais, hormis les ateliers, je pense qu'on a vraiment rencontré des très chouettes personnes. Et donc, il n'y a aucun frein à ça. Chacun respectera la façon dont on est. Si on n'est pas bien, les autres vous écouteront et vous donneront peut-être un peu cette force d'aller plus loin que ce que vous auriez pu faire tout seul. Donc, j'ai vraiment pas se poser trop de questions et se laisser faire, quoi. Et vous verrez que ça vous fait du bien. Donc, voilà. Oui. Mais après, je rappelle quand même que avant d'intégrer le stress à de voyage, on fait cet entretien avec moi pour… Pour s'assurer que voilà, ça va vraiment permettre une vraie progression pour la personne, un vrai développement pour elle, parce que voilà, il y a après d'autres situations qui font que c'est peut-être pas le bon moment ou le groupe fait trop peur pour certains et alors on envisage d'autres pistes, quoi. D'accord, merci. Et pour toi, Christophe, qu'est-ce que toi tu dirais que tu aurais voulu entendre avant de t'inscrire pour le stress à de voyage? Aussi d'y aller, franchement, avec une certaine ouverture d'esprit, bien sûr. N'ayez pas peur du groupe, c'est vraiment un avantage et ça, je pense que ça accélère notre prise de conscience et notre guérison, si je peux le dire entre guillemets. On avance beaucoup plus vite ensemble que tout seul dans son coin. Enfin, je veux dire, avant d'intégrer, j'avais déjà passé quelques mois seul à la maison et on a l'impression de faire du sur-place. Dès qu'on intègre la première journée, on sent vraiment un partage et qu'on avance et qu'on a des prises de conscience. C'est vraiment important et c'est vraiment génial que ça existe. Encore trop peu d'organisations de ce genre existent en Belgique, mais c'est vraiment… félicitations, Anne, pour d'avoir mis ça en place et d'être entourée avec tous ces professionnels vraiment qui sont tous super à leur niveau, qui partagent leur expérience, qui donnent envie d'apprendre et de partager. Après, le voyage en lui-même, pour moi, c'est une croisière. Je vais résumer une croisière. Une croisière en Méditerranée. Vous avez 8 haltes. On visite une ville un peu en vitesse. On vous donne plein d'informations. Vous voyez des belles choses, des moins belles choses. Ça vous donne envie d'y retourner, de faire un city trip. Après, vous dites voilà, cette ville, j'adorais, j'y retourne et je la prends en profondeur et je la prends pour moi. Je la résumerai un peu pour ça. Voilà, c'est vraiment c'est top, une chouette expérience. Mais tout en restant à Bruxelles, c'est ça qui est génial. Tout à fait. C'est ça. Je dois même pas bouger.
Bon, et peut-être un dernier détail, c'est voilà, une petite question en aparté. Qu'est-ce que vous avez pensé de la salle où on accueille les voyageurs qui, donc, la salle sera aux Fraternités du Bon Pasteur, là, à Woluwe-Saint-Pierre, derrière le l'Ichet. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette salle-là? Moi, je la trouvais beaucoup plus agréable Ouais. que la précédente où on avait commencé, bon, qui était très lumineuse, mais là, le cadre au milieu de la nature, ça nous permet de nous évader aussi pendant les pauses. La Ouais. salle était grande, lumineuse. Franchement, Bah oui. c'était très bien. L'espace permet plus de choses et c'est vrai que ce contact finalement avec les arbres, la nature et ce grand Ouais. jardin font du bien. Ouais. Même si Ouais. voilà, il fera peut-être pas tout le temps magnifique, mais je dirais rien que cette ouverture vers l'extérieur, c'est vrai que c'était sympathique. Ouais. C'est bien. Mais La bon, salle. j'avoue que je ne connaissais pas cette salle et donc moi, je Non. suis absolument ravie maintenant de pouvoir proposer les prochains groupes du Stressade Voyage aux Fraternités du Bon Pasteur, puisque je trouve que tout est. Voilà, c'est Non. vraiment cette connexion à la nature que j'essaie aussi de transmettre au travers du Stressade Voyage et d'être toujours dans ce ressenti dont parlait Sarah. Voilà. Ben écoutez, est-ce qu'il y a encore une petite chose que vous avez envie de partager avant qu'on quitte nos auditeurs? Non, je voudrais te dire un grand merci. Je voudrais te dire que tu étais quelqu'un avec qui j'ai adoré avoir des contacts et qu'en tant que personne, tu es une très belle personne et que tu es tout à fait à l'écoute de ce qu'on vit et que ça, c'est super. Et à côté de Merci. ça, ben, je voudrais remercier, mais ils sauront parce qu'on va encore se voir, hein, que Ouais. toutes les personnes que j'ai croisées ont vraiment une place dans mon cœur aussi, quoi, et que ça permet aussi d'aller mieux. Il ne faut pas sous-estimer le besoin des autres, en fait. Je pense surtout dans le monde qu'on vit, la période qu'on vit, Ouais. voilà, on a besoin des autres et ça fait un bien fou. Voilà. Ouais. Donc, OK. ça, c'est mon message perso. Merci beaucoup. Et je vais pas pleurer. Non. Mais non, mais je trouve que on est tous bien souriants, Ouais, voilà, non, dans un contexte, non, comme tu dis, exactement. qui n'est pas simple, Non. mais je pense que l'important, c'est déjà rien d'être en accord avec soi-même et de pouvoir rayonner sur ce Exactement. pourquoi on est fait, quoi. Exactement. Quel que soit le poste qu'on occupe, que ce soit Ouais. directeur financier ou chef d'entreprise ou d'accompagnement, bref, on a chacun notre place et notre petit soleil qu'on peut faire rayonner au mieux, quoi. C'est ça qu'il Voilà. faut faire. Voilà. Ouais. Eh ben, merci vraiment, merci à vous deux parce que c'est pas un exercice facile, surtout en virtuel. Oui. C'était voilà, c'est les conditions Covid aussi hein, qui ont poussé à le faire comme ça et c'est pas non plus forcément ma nature, c'est plus le présentiel et le contact direct, mais je trouve que malgré tout, au travers des écrans, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, ben, finalement, Moi, je ça ne trouve va que pas trop. ça passe bien. Ça passe bien, On ouais, passe je bien trouve même en aussi. virtuel, on est pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez, un tout, tout grand Il merci. n'y a pas de quoi. Merci Et à toi. prenez bien soin de vous On et fera ça. on reste en contact et à voir quand est-ce qu'il y aura cette fameuse activité au sein du groupe, puisque depuis, vous avez le groupe WhatsApp, donc voilà, c'est Ben génial. oui, et Ça va? on continue ça. Merci On beaucoup. continue à se voir. Génial, Ouais. merci. Merci Anne, merci Merci Christophe. Anne. Bonne journée Merci à tous. Sarah. Au revoir, Au bonne revoir, à journée. bientôt. Bonne journée.